alors. Bah, c'est parfait, le jeu est déjà capturé. Comment ça se fait ça? Oh non, ça va pas. Coucou. De suicide. Ouais, ça doit être ça. Ok, terminé. Parfait. Nickel. Bon, ben on y est. Press any key. Ok. On va se calmer, voilà. Parfait, moi je vais aller me chercher une veste aussi. Je reviens. Nouvelle partie. L'histoire que vous allez vivre est façonnée par ces détails. Tout observé avec attention vous mènera à la vérité. Ma chère Nicole. Tu es la fille que toute mère rêverait d'avoir. Belle, intelligente et juste. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Ça n'a pas toujours été facile, je le sais. Mais souviens-toi de ce que le docteur Franklin a dit après ton discours lors de ta remise de diplôme. Face à un dragon, il faut savoir brandir son épée et son bouclier. Il faut parfois savoir quand s'agenouiller devant le dragon. Je t'ai toujours considérée comme une battante qui, face aux plus grands défis, est capable de brandir toutes les armes nécessaires pour se battre avec courage et héroïsme. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé avec ton père. Mais désormais, il y a certaines choses que je dois te dire avant que cette maladie nous sépare. Oh non! C'est comment le son, Axe? Moi, le son est fort, là, pour moi. Mais après, je laisse fort. Bah, je sais pas si c'est peur ou pas peur. Ok, on doit se déplacer avec ça. Ça va pas être possible. Hein. Je dois me déplacer avec les touches, les flèches directionnelles. Oh, comme c'est bizarre. Et je peux aller que de l'avant.
Je peux utiliser que ma flèche avant. La liaison que ton père a eue avec cette jeune femme il y a 9 ans. Cette femme qui s'est ensuite suicidée a détruit notre famille à jamais. J'imagine exactement à quoi tu pensais à ce moment précis. Mon père n'existe plus à mes yeux. Je ne peux faire confiance qu'à ma mère. Que ton père avait irrévocablement trahi notre confiance et qu'elle avait eu raison de se jeter de cette falaise. Ah ! J'étais là. J'ai toujours été là. Quand tu t'es démis l'épaule de ton premier match, quand tu as pleuré toute la nuit dans une pièce que tu reconnaissais pas, et quand tu as embrassé Duncan Forbes sous le gui de Noël en 1985, tu as manifesté contre l'avortement pendant ta première année de fac. Duncan était un bon garçon, mais même si je ne l'ai jamais dit, j'ai immédiatement pensé que vous n'auriez pas grand-chose à vous dire. La communication est un aspect fondamental de toute relation. Moins on se parle, plus on s'éloigne. Il y a tant à dire, mais le temps presse. Pour commencer, je tiens à m'excuser. Pour commencer, je m'excuse. Je n'ai jamais pensé que la rage était une émotion digne d'un bon chrétien, mais je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour surmonter mon chagrin. Je ne veux pas que tu aies la même vie que moi, ma chérie. Je veux que tu te libères du passé, une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. Vends notre hôtel. Vendre notre hôtel. Et l'hôtel appartient à ma famille et il te revient. Retourne-y, Nicole. J'ai engagé un avocat à Elena. Monsieur Jenkins te donnera cette lettre après le décès de ton père. Je ne serai plus là depuis longtemps. Fais une visite rapide, signe les papiers et vends ces murs qui ne renferment que de la colère. Garde ce qu'il te faut pour rembourser tes prêts étudiants et donne le reste à la famille de la fille. Terminons cette histoire une bonne fois pour toutes. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Nous avons toujours été là l'une pour l'autre. J'aurais aimé être là pour assister à la remise de diplôme, à ton mariage, à la naissance de tes enfants. Mais voilà, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Utilise le tien pour aimer. Il n'y a rien qui soit plus important dans la vie, crois-moi. Je t'aime plus que tout au monde. Claire Wilson, ta mère, 24 juillet 91. Heureusement que ça continue pas plus, je suis en train de chialer là. Ça commençait à monter, moi je chantais la boule là, arrivé, touc touc touc. Ça va que j'ai la caméra avec le stream et que du coup ça me sort du truc. Los Magdalena, Montana, États-Unis, décembre 93. Le mauvais temps qui traverse le Montana commence à accumuler toutes les caractéristiques. Le mouvement de la météo prend des proportions inattendues avec des vents et chutes de neige supérieures à la moyenne, en particulier dans la réserve naturelle de la forêt nationale d'Elena. Résidents de les instructions. Confinement. Billings en 55 avec plus d'un mètre de neige tombant en une seule nuit. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Vers l'hiver le plus rude que le comté de Lewis et Clark ait jamais connu.
Ça doit être l'hôtel. Dans le Montana, des vieilles clés. From the night we departed 10 years ago. Je ne peux pas changer les touches. Génial. Donc ce sera A et E, étage précédent, étage suivant, sûrement. 1, 2, 3, j'espère que ça va marcher. Dynamo, Polaroid et micro. Lumière, photo, micro, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Entrée, courir. Ah, shift, ok. M, donc c'est virgule pour la carte. Échappe le menu. Zoom. Interaction, utiliser l'objet. Merde, le 1, 2, 3, il marche pas du coup. Comment tu fais pour qu'il fonctionne? On verra bien. Ma voiture. Non, même quand je suis en majuscule. Peut-être qu'il me faut les objets pour pouvoir les utiliser. Ok. Peut-être qu'il faut que je les trouve. Placement pour H. Vide. Bateau. Épelle. Boîte à outils. Ah. On peut pas l'ouvrir. Réception, hall. Putain, ça c'est la porte d'entrée de l'hôtel, l'arrivée. Putain, ça fait peur. Locker room. On n'y a pas accès. Presque délavé. Utiliser porte. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the mountain museum at the end of the stairs. Juste après le musée de la montagne, au bout des escaliers de l'étage principal, si ma mémoire est bonne. Thank you.
T'es où, c'est ta reçu de téléphone? Ah, je l'entends là, voilà. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Nicole? It's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Ok, donc du coup l'avocat me demande de faire une inspection de l'hôtel parce que. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Et il me dit qu'il m'a laissé des papiers dans mon autre ancien appartement. Apparemment, on avait un appartement dans l'hôtel en fait. On y vivait sûrement. Et ça doit être mon père. Est passionné apparemment d'astronomie. Il y a plusieurs bobines. D'inscription. Tasse de Léonard, ok. Papa s'est tué au Café Clop, formidable. Dad's office, ok, bureau de papa. Des choses à faire. Monsieur Jenkins a dit avoir laissé la clé du directeur dans la master suite. Restroom, kitchen, fridge, fire, ballroom, office. Ah, office, donc je suis là. Il n'y a que deux portes. Ça ne ressemble pas à ça.
Je suis pas là. Q pour afficher l'étage. E-A. D'accord. Garage. Ok, je suis arrivée par là. Ok. Je suis bien et bien là. Je comprends pas trop le plan. Ok, Master Suite, c'est à l'étage du dessus. Visée. Ok. C'est quoi ce jeu? C'est le suicide de Rachel Foster. D'après ce que j'ai compris, j'ai hérité. D'après ce que j'ai compris, il y a 10 ans, il y a plus que ça, je sais pas. À un moment donné, mon père, il a trompé ma mère avec une gonzesse. Et quand cette gonzesse, elle a été découverte, elle s'est suicidée. Elle s'appelait Rachel. J'en ai voulu à mon père, je l'ai détesté. Mais ma mère, elle était malade et ma mère est morte. Et donc, tout ça, c'était l'hôtel de la famille. Il est revenu à mon père, évidemment, puisque ma mère est morte. Et à la mort de mon père, ma mère, elle m'avait écrit un testament. Et à la mort de mon père, je devrais revenir dans cet hôtel-là et le mettre en vente et donner l'argent à la fille qui s'est suicidée, à la maîtresse de mon père. Et donc là, apparemment, mon père vient de mourir. Et donc, je suis venue à l'hôtel pour mettre en ordre les choses avant de le... Claire Wilson. Ok. Je dois mettre un peu d'ordre là-dedans avant de le mettre en vente. Et bien sûr, il y a une tempête de neige. Il y a une tempête de neige comme on n'en a pas connu depuis 1955. Ça, c'est le musée. Okay. Moi, je suis arrivée par là, du coup. Et donc, je vais être bloquée ici, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Si je suis au musée, c'est que je suis pas à cet étage-là. Pas de musée là. Le musée, il est là. Oh, je comprends rien à leurs plans. Des plans d'architecte, ils sont marrants. Je suis pas architecte, moi. Déjà, j'aime pas trop les portes ouvertes, ça me stresse. Ah, oh, les bruits sont stressants. Oui, on doit donner l'argent pas à la fille, à la famille de la fille qui s'est suicidée. Ah. C'est bien. Donc, je suis là. Bim bim, ça c'était le musée, ok. Et moi je dois aller. Kitchen, nanana, nanana. Moi je dois aller à l'étage du dessus, au fait. Bon, de toute façon, on va tout visiter. Ah, il y a des vieux flous par moment, c'est agaçant. Thank you.
Il y a des bruits, mais c'est normal, il doit y avoir des souris. Je vais pas aimer cette ambiance, ça me stresse beaucoup. Ah, les bruits sont stressants à souhait, quoi. J'aime pas être toute seule. Encore une boîte à outils. Je sais pas les ouvrir. Oh, il y a des rooms de partout là-haut. Oh là là, plein de chambres. Oh, ça aussi, c'est stressant. Moi, je veux aller chez nous là. À ce qui paraît, il y a un chez nous là-dedans. J'y comprends rien. Là, on peut pas. Là, c'est de là que je viens. Bon, on réfléchit. C'est un plan, ça doit pas être compliqué. La suite, elle est à cet étage-là, de l'autre côté. Il y a le musée. C'est pas là. Oh, coucou Karim. Je suis là. Et là, ils disent que c'est le dining. Office. Storage, c'est fermé. Dad, bureau. J'entends des bruits, c'est pas moi qui les fais. Quand je bouge pas, il y a des bruits. Ah, ça c'est le même étage. Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? Master suite. Jolie baignoire? Ah ouais, on n'a pas la même notion d'une jolie baignoire. Hein. Du dentifrice. Du coïguette. Un peigne. Et
table. Pourquoi j'ai fait ça toute seule? Pourquoi j'ai été visiter cet hôtel toute seule? Pourquoi j'avais pas un petit copain, genre? Un homme musclé et courageux qui irait devant. Ah, puis il y a une église dans le jardin. J'adore les églises, ça tombe bien. Ça me stresse pas du tout. Ah, des clopes de quelqu'un d'autre. Il y a au moins deux fumeurs différents dans cette aventure. La musique. Ah, la master suite. Super. Ah, je me sens mieux, c'est l'ambiance familiale. Quand j'étais petite, j'habitais ici. C'était la salle de bain là, je me rappelle. On avait un chat. Ah, et donc nous on fumait ces clopes là. Mes parents. On a des médicaments, ouais. Parce que ma mère, elle était malade. Ah non, les cachets de Léonard. Bah, mon père aussi, apparemment, était malade. Putain, ça fumait gavé dans la salle de bain un peu, là. Bravo! Voilà, on a du détergent, on peut faire le ménage si on veut. Hein. La lessive. Ok. On avait un cumulus comme ça. On a un hôtel et on utilise un cumulus de 50 litres. Pas RP, hein. Ouais, quand même, mes parents, ils étaient un peu cultivés. C'est bien tout ce qui touchait à la... à l'astronomie, à la métaphysique. Relativité, ok. Super. Ah ouais, on dirait chez WAM. C'est quand j'ai grandi. C'est moi! Je m'appelle Nicole. Et en 1980, j'étais grande comme ça. Ah ouais. Ça a pas l'air d'être une recette de cuisine. Ou alors je connais pas ce plat. Ma mère, elle se faisait chier pour faire des tartes rondes. Ok. Je comprends pas, mon père il a continué à habiter ici après qu'on soit parti. Ce serait mon père qui se serait intéressé à tout ça. C'est bien foutu qu'on puisse prendre les livres.
C'est la chambre de mes parents, j'ose pas y aller. Ça se fait pas. Photo de la petite peste. Je pense que c'est moi du coup. Là aussi c'est moi. Puis là aussi c'est moi. Il a touché à de l'anatomie occulte, tout ça, tout ça. Il a fait des trucs pas cool, mon père. Hein. Livre ésotérique, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as branlé, papa? Pacte avec le diable? Tu voulais réanimer la petite Rachel? Ou maman? Hein? Laquelle des deux t'intéressait? Ça, ça devait être un cadre de ma maman. Il l'a enlevé. Oh, le Polaroid. Je peux pas le prendre apparemment. C'est ma chambre. Things here exactly the same as when me and mom left. Ça fait battre mon cœur. It's so. Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Ah, c'était il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, je kiffais les licornes. Ah bon. Ok. Je faisais du skateboard. J'écoutais des cassettes. J'aimais bien le hockey. Trophée de hockey. Ah ouais, j'étais forte en hockey. Estime de soi. Et j'écrivais rien sur les cassettes, c'est dangereux ça. Ah! Ah ouais, carrément, le mec est venu, l'avocat, il est venu dans ma chambre mettre les clés. Je crois tout permis quoi. Je pouvais pas les poser sur le bureau. Ah, je me rappelle ce t-shirt, je l'aimais bien. Cette casquette. C'est des dessins. Ok. Et de licorne. J'ai progressé avec l'âge. Des piles. Un téléphone étrange. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms though. Ok, ça c'est la clé de... qui ouvre tout. C'est formidable. Bon, et ben... Victims in the last three days. The snow plows are ready, but we are waiting for the intensity of the snowfall to... that will be possible blackouts in the voilà, des coupures. Vérifiez que vos générateurs soient en bon état de marche. Réserve de carburant. Super. Ah ben il fonctionne. Ta gueule toi. Is this a joke? Hello? Can you hear me?
Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? Okay. The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. Mais la tempête. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Ah, je suis une connasse. Ah ouais. Ah ouais, je suis une connasse mal polie et vulgaire et grossière. Ah, merde. Ah ouais. C'est moyen cool, ça. Moi, j'aurais préféré être quand même quelqu'un de sympa. Non, d'accord, je suis pas sympa. Bon, eh bien, alors, puisque je suis pas sympa... Bon, on a... de l'orage. La chambre des parents, c'est fait. Ma chambre, c'est fait. Ça, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, quoi. Un débarras. J'aurais bien aimé le prendre, le Polaroid. Ok, j'ai toujours pas trouvé la lampe. Ça tape fort l'orage, hein. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Ah, le testament, super. Donc voilà, qui résida dans le Nord, United States, Claire Wilson ou représenté, ok. Bénéficiaire, bah c'est moi du coup. Parce que c'est ma fille. D'accord. C'est pas très bien isolé quand même, hein. Nana, propriété, ok. Chère madame Nicole Wilson. Informe que vous êtes nana, transfert pour la propriété, nana. Pourquoi j'entends de l'eau qui coule? Et on entend comme quelqu'un qui respire, c'est désagréable, hein. Tu peux arrêter? Non. Ça c'est la lettre de l'avocat, ok. Bon bah c'est formidable. Un briquet. Super. Fait pas beau quand même, hein. Alors. Ah, j'ai plus de choses à faire. Ok, bon bah je m'en vais alors. Bah j'ai fini le jeu, parfait. Cool. Pourquoi ça dit truc pour courir? Ouais. Ouais, y a pas de verrou à cette salle de bain. C'est quand même bien les verrous dans les salles de bain. Faut que je ressorte. Il s'est rien passé, j'ai déjà peur. Oh, j'ai très peur.
Je sais même pas ce que je dois faire. Courir, c'est ton max là? Tu peux pas courir plus vite? Really? Allez là! On s'en va. C'était cool. Merci. À bientôt. Pourquoi je stresse comme ça? Y a rien de... C'est un jeu. Allez, on s'en va. C'est là qu'il va se passer un truc bizarre, hein, c'est ça? Bah oui. Voilà, voilà, merci. Qui vient du Overlook. Ah ben oui, elle est inquiète par le raffut, alors elle veut y aller. C'est logique. Bon, on y retourne. Le Overlook. C'est où ça, le Overlook? C'est à côté de ma... Oh, je dois remonter tout là-haut. C'est sûrement un chat en plus qui est coincé. Je me suis endormie ou la coccinelle était pas là. La coccinelle? C'est quoi la coccinelle? Ah si, la voiture! La voiture, elle y était en bas. Donc voilà, là elle entend du bordel quelque part et elle veut y aller. C'est formidable. Clos Overlook, ça doit être un truc qui est par là. Super. Ah, c'est ça. C'est génial. Bah c'est des volets. Oh non, mais c'est dans le noir. Je vais hurler. Ah voilà, voilà. Très bien. Partez. C'est une bonne idée. Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car. I was thinking of jogging into town. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, super, your lungs would collapse in a few minutes.
I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Oh là là, quelle connasse! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Dire « Ah, ok, d'accord, j'ai compris. » Bana, il m'a dit que ma cam, elle dépassait du cadre par le haut. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Voyons voir. Le dossier de la caméra, il est là. Je vois même pas le cadre. Oupsie. C'est beaucoup trop petit pour faire les réglages. Puis dans le noir, quelle idée de faire des réglages dans le noir. Pas fou. Faut que je change le cadre. Comme ça. Bon, écoute, on s'en branle en fait. C'est pas grave. Que j'ai fait encore pire que ce que c'était. Je ferai les réglages plus tard. Bon. J'y retourne. Il vient. Ben bravo, ouais. Il fait du fufu. J'ai pas vu la dernière phrase. C'est encore pire? Oh, ben tant pis. Hein. J'ai loupé une partie, je pense que tu sais pourquoi. Ouais, tu t'es endormi du coup. Et. Ouais, je sais pas. C'est pas par là que j'arrive. Non. Reprends la voiture et pars avant que la tempête n'arrive. Ah! Ah, d'accord! Je dois faire ce que je viens de faire. Ok, super. J'ai presque envie d'avancer. Mais arrête avec ce bruit là. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. T'es en colère, hein, meuf, hein, quand même. Détends-toi. Non, mais j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, on court. Bon, la voiture... Ah. Ah oui, la coccinelle. Si, bah c'est la voiture de maman. Elle était là. Si, elle était là. Ah, voilà. Tell me you changed your mind. You there? Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Super. Think so. Maybe someone... No, listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. Super. There's nothing... Or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy.
Pas grave, je vais prendre la moto. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. Je suis contente que tu sois là. Je sais pas qui t'es, mais je suis contente. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. Bah t'as qu'à rester avec moi tout le temps. Seriously. Ugh, fine. Et sois agréable un peu, meuf. Putain, déjà t'as un prénom de merde. Désolée pour toutes les Nicole. Bon, j'ai perdu les clés de ma voiture, c'est formidable. Est-ce que c'est parce que je suis une connasse? Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un me joue des mauvais tours? J'ai qu'à prendre la voiture de maman. Non, super. Bah oui, tu fais du bruit. Eh oui. Oh, et je marche à deux à l'heure. Ouvre-toi, saloperie de caisse de merde. Ouais, c'est bien, ça, c'est des armes. Prends n'importe quoi. Ouais, on a des haricots et des céréales périmées, super. Il y a un poste CB, donc je sais pas quoi. Ah. Et encore des trucs de mon père. La peinture. C'est du coup le tableau électrique. Hein. Des quartiers. Une pompe hydraulique. D'accord. Des chaudières, super. Étage, premier, deuxième, troisième, ok. Dis donc, t'as l'air de pas être en forme, toi. Ok. Oh, les sons sont tellement ignobles. Pourquoi t'es rouge? La Team Rocket, ce serait bien, ouais. Ok. Bah ouais. Forcément, pour laver tous les draps, on avait un système. Alors ouais, ça déjà, c'est pas bien ça, ça c'est pas très écolo. Il y a un bruit d'eau qui coule à flot là. Putain, mais c'est un labyrinthe ce machin de merde. Oh god, oh god. Une cave.
J'aime pas les caves. Oh, c'est dans la cave qu'elle vient l'eau. Oh, y a des portes partout. Je vais jamais m'en sortir. Ok, on est à Skyland. Voilà, on n'a qu'à partir. Ah, c'est fermé. En ski, j'aurais été rapide. J'imagine que j'ai grandi ici, je dois savoir bien skier. Ici, c'est quoi? Ah bah c'est de là que j'arrive. Et là, ça me ramène à la réception. Ça s'est fouillé. Il y a la cave. On va le faire de suite, la cave, hein, avant qu'il y ait des trucs bizarres. C'est pas plus mal. Oh là, j'aime pas ça. Oh, ça doit emmener à l'église. Oh non, j'y vais pas. Oh, ces escaliers étroits. Oh là 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 là. Tout est stressant. Ah, il est bien fait, hein. C'est d'emmener aux cuisines, ça. Voilà, là, il y a plein d'armes. Pourquoi mon bonhomme, il veut jamais prendre des couteaux? C'est que je crois qu'il me fait plus peur que Dark Picture, parce que Dark Picture, on est deux, tu vois. Là, je me sens seule. T'as l'impression qu'il va t'arriver un truc flippant toutes les deux secondes, mais c'est ça. Et tout le jeu, il se passe rien. Peut-être, hein. Peut-être c'est juste ça, en fait. Après, il y en a qui n'ont pas la notion de stress comme ça, qui vont en mode « Ouais, normal, YOLO !» Moi, ça me stresse vite. Tu vois, genre le escape que j'ai fait dans l'espace, là, la meuf à moi, elle l'a fait. Et elle l'a fait en genre 15 minutes, tu vois. Ouais, elle a roulé dans les trucs en mode « Ouais, même pas peur. » Oh putain ! La chambre froide. Ok. Voilà, bah je m'acclimate. Ouh, il fait bon ici, hein. Ah bah c'est ouvert ici maintenant. Papa, il avait un accès direct à la cuisine de son bureau. Ah ouais, c'est chelou comme système, mais d'accord. J'ai pas laissé mes clés par là? Non? Bah non!
Je dois ouvrir la porte du garage. J'espère que ça fonctionne. Ah, mais j'avais ça à faire, ok. Bon, je ne suis pas du tout les activités. Je visite. Hein. C'est bien parce que maintenant tout est ouvert par contre. J'aime pas du tout cette ambiance. Finalement, je le trouve pas si cool que ça, ce jeu. Vraiment, de la vaisselle, mais qu'est-ce que tu t'en branles? Pourquoi tu regardes ça? Je suis retournée dans la réception. Je redescends au garage. Voilà, 153e fois. Moi, j'ai visité maintenant ce qu'il y a sur les côtés, ça me rassure. Ah, ça c'est le truc des skis, on y est allé tout à l'heure, ok. Ouais, ça c'est toujours ma voiture. Ça c'est le truc de maintenance. Door. It's a conspiracy, dammit. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Oh Nicole, my god, passer la nuit. I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Ah oui! Comment je choisis ça? Ok. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Ok. D'abord, peut-être elle s'est pas suicidée. Peut-être c'est mon père qui l'a poussée de la falaise. Parce qu'elle a menacé de... Et mon père est un assassin et je vais le découvrir. Super. Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. What? Even just to talk. Okay. Oh, thanks. Irving. Just doing my job. Okay. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job, oh, me fait pas you're peur. Safe up there. Okay. Just relax. It'll be fine.
Okay. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Je préfère mille fois être abandonnée dans la forêt amazonienne. C'était beaucoup mieux. Combattre des jaguars, c'est moins stressant que d'être enfermée dans un endroit qui fait du bruit. C'est ouf. Oh god, j'ai dormi et tout, toute seule, comme une grande. J'ai quand même pas dormi dans la chambre de mes parents, ça se fait pas. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, I just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the Timberline has an age. D'accord. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Super. Ah, pour info, il me semble que le jeu sauvegarde jour par jour. C'est que c'est une info qui est stressante, ça, Axel, parce que ça veut dire que potentiellement, un jour, il peut se passer que je meurs et que je revienne au début de la journée. Pourquoi? Pourquoi je pourrais mourir? Je suis dans une hôtel seule. Je n'ai pas de raison d'avoir d'inquiétude. Alors, attends. Zanou, il m'a envoyé un truc. Fais gaffe au son. Comment je fais gaffe au son? Oh. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I love that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Okay. Oui, j'ai tout touché à cause de toi et... Enfin, pas à cause de... grâce à toi. Enfin, j'ai tout touché parce que tu me l'as dit. Et j'ai tout cassé. Ah ouais, je le vois, le cadre, là. Ah, attends, ben, on va se mettre là. Nickel. Là, maintenant, je vois le cadre, je peux régler. Tout à l'heure, j'étais... full dans le noir. Pour régler, c'est pas facile. Bon, franchement, je sais pas, là. Comme ça. Quête, c'est chiant de quête en plein milieu d'une journée et que tu recommences dès le début, quoi. Ah, pas con, ça. Ah oui, ça, c'est pas con, par contre. Je suis obligée de passer la journée complète. Ah, ça va être long. 18h, ouais, je devrais peut-être m'arrêter là maintenant, du coup. C'était bien comme première expérience. Ça fait combien de temps? 1 heure. C'est bien, 1 heure par 1 heure. C'est stressant, 1 heure. Il s'est passé un truc, alors attends, parce que dans la vraie vie, il se passe aussi des phénomènes surnaturels. Je vais vous montrer. J'ai eu un message. Puisguin, c'est la ville qui est juste à côté de chez moi. C'est là où il y a la coopérative, par exemple. Et du coup... Fuck off. My god. Oh là là, ton fantôme là. T'es hier à côté de chez moi. Si on se prend ça, on est dans la merde sévère, on est d'accord. Il y a un truc de fou là. Il y a un truc de fou là.
Non, nous, on n'a rien eu. On a eu des tout petits grêlons ici. Il y a des dégâts ? D'accord, d'accord. Je sais pas si tu vois, si tu as vu les photos que j'ai envoyées sur Insta, la vigne, elle est vraiment là, elle est en floraison totale. Elle a toutes ses grappes qui sont sorties, on a les feuilles qui sont sorties, et donc c'est que des bébés. C'est ultra fragile, tu passes juste ta main comme ça sur la branche et la branche, elle tombe. Donc si s'il y a ça vraiment, si ça tombe chez nous, on est vraiment dans la merde. C'est la pire période pour prendre de la grêle, là, ce serait vraiment pas cool du tout. Là, il faut pas qu'il gèle, il faut pas qu'il grêle pour nous. Voilà. Après, on verra. De toute façon, vu comme c'est parti, 2020. C'est de la folie. Bon, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je continue. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de sauvegarde. Ben, je vais continuer d'explorer un peu. Puis, au pire, si j'aurais déjà exploré un peu. Puis après, j'arrêterai. Donc là, je dois faire quoi déjà ? Aller à la chaudière. J'ai besoin de prendre une douche, mais je dois redémarrer la chaudière. Ben oui. Sinon, moi, je me passe d'une douche. Hein. Franchement, ça me pose pas de problème de pas me laver. Hein. Pas comme si j'allais dormir avec quelqu'un ou... Tu vois, pas grave. T'as besoin d'une douche vraiment maintenant ? Je fais ta toilette vite fait avec, je sais pas moi, une serviette, un truc. Un chiffon, il y en a plein. Irving. Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Oh, mais non, non, ta gueule, wait, parle pas de trucs comme ça. Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. C'était très marrant ta blague. Haha. Mort de rire. J'adore parler de fantômes. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Moi, je veux pas t'inquiéter, mais ça reste quand même sur 220.
Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it? Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. How would you... Donc, on est d'accord. Hop. Papa, tout va bien. Je vais aller prendre une douche. Normal. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey. Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Tu m'étonnes. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death. Moi aussi je veux vous remercier. Car. Toute seule, je ferai jamais ça. Life, then. Je sais pas si je dois dire merci à Axel. Just... Your job. I know. Night. Night. Ah mais je venais pas de me réveiller en fait, là c'est le soir. D'accord. Ah ouais, non, mais carrément, il y a zéro verrou à zéro porte, en fait. Allez, je vais dans ma chambre. Ouais, cool. Il va rien se passer de bizarre, parce que c'est ma chambre. Je la connais bien, je vais y dormir. Oh, je peux faire de la basse. Deuxième jour. Ok. Donc là, ça sauvegarde. 1h27, il s'est rien passé. Depuis le début du stream, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Je suis vraiment trop une trouillarde. Quelqu'un de normal, il aurait mis un quart d'heure à faire ce que moi, j'ai mis 1h30 à faire. Je me chie dessus. Pourquoi que je me réveille pas dans ma chambre? C'est bizarre comme méthode. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Oh, non! Comme un roc. Ouais. Bébé, dis oui. I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Ça a l'air de s'être calmé là, franchement, je peux sortir. Is the situation on the roads any better? Just, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... Oh, but... il est tellement mignon. I... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Oh...
Meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Ouais, je vais avoir besoin de manger à un moment donné. I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Yeah, I need to get something in my stomach or I won't make it out of here alive. You'll be forever grateful for baked beans. Super. Cherche de la nourriture dans la cuisine. Bon, ça c'est facile. Par contre, j'ai jamais pris cet escalier. Ah ouais, ok, ça mène là. Bah, c'est super. C'est là. Et les haricots, il y en a en bas. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. Continue à parler avec moi, j'aime quand tu parles avec moi. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. C'est déverrouillé, morte de froid. Hey, you kidding? Rachel, moi j'y suis pour rien. Hein. T'as couché avec un homme marié, t'assumes. Hein. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. Fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Mais sois pas une méchante comme ça, putain, il a pas fait exprès. Ça va, détends-toi. Pfff.
Tu vas pas mettre la boîte de conserve dans le micro-ondes quand même. Ah! Ah bah d'accord. Ah, j'aime pas les flous de la vue, c'est ignoble. Ok, c'est combien d'années pour cuire? Dans la vraie vie, je déteste faire ça. Je me sers jamais du micro-ondes. Ça me stresse, c'est trop long. Faut attendre trop longtemps, une minute à attendre devant la porte du micro-ondes, ça m'énerve. Ok. Sinon, je suis sûre, il y avait des gens, des assiettes, tu vois, meuf. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins. Ah, super, l'avocat. About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, merde. Come on. Est-ce qu'il va bien? He called 911 after just a mile. Ah, c'est pas mal. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Okay. Here it is. He says to... this is a swear word and you don't need to hear it. Évaluer l'état général de l'hôtel par vous-même et noter... Nicole, at this point, start assessing the general conditions... Je vous conseille de commencer par le deuxième étage, c'est sûrement le plus dégradé. I recommend you start with the second floor, it's surely the most damaged. Please. Only call me if you've got good news. Ok. Second floor. Le seul truc que j'ai pas visité encore. Super. C'est pas déjà ici? Ah non. La cave. J'ai pas été là, si? Oh, j'ai pas été là. Ah, oh, j'aime pas cet endroit, il est malaisant. Bûche de sorcière de l'hôtel. Ah bah super. Bûcher de sorcière de l'hôtel. Génial. Les champignons. Le petit fumoir. C'est où que je vais déjà là? Ah ouais, le second floor. C'est pas ça. Au revoir. Non. D'accord, pas au revoir. J'aurais peut-être pu finir le premier étage. Ouais, je vais finir le premier étage. Toi, je t'ai déjà vu. Pourquoi toi, je peux pas t'ouvrir? Toi non plus? Yep.
Il y a quelqu'un dans ma maison ? C'était quoi le bruit ? Papa ? La putain de ta mère, la pute. Là, ça commence à être un peu stressant, là, hein, vraiment. Je vais l'écouter quand même. Il a dit d'abord le second, d'abord le second. Oh. Droite ou gauche? J'attends que vous me donniez une droite, une direction. Oh, n'importe quoi. Pourquoi s'enculent les voitures dans Rocket League? Droite. Je parle à mon copain. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Ah, mais il y en a combien des chambres? 13. Pas non plus. Staff only, je peux pas y aller. 211. 210. Ah. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the West Wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection.
finalement j'ai été à gauche. Ah! Chambre ouverte. Yeah. Hello? Oh no. Oh no, no, no. What? What did you say? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone, I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Rachel est encore dedans, super! Eh bien, appelle ton pote là, allez, fais un rapport. Dis-lui ce qui vient de se passer là. Fais la radio! Pourquoi tu fais pas la radio? Fais la radio. Ah, voilà. You pissed at me? No. I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel, it was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist. And Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Ah oui, hein. Et en plus les morts, ça existe même pas. Tout va bien. Non mais, c'est pas possible. Ah bon? Ah bah d'accord, alors voilà. Ah mais ça a l'air d'être la nuit là. Hey, Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? I don't remember. Okay. I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over.
Super. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. Moi non plus. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Okay. Too easy. Where's the hitch? Oh, faut aller dans la cave. There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. Super! Les seules lumières que je vais avoir, c'est ça? Génial! I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones inside." Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Père m'a dit de passer par le vide sanitaire dans la salle du personnel au rez-de-chaussée. Déjà, j'aimais pas quand il faisait jour. J'ai peur. J'ai bien fait de bien visiter partout. La salle du personnel au rez-de-chaussée. Du bureau de mon père, on pouvait aller. Oh, il fait jour ici. Oh, j'ai qu'à rester là pour toujours. Dans la cuisine. Non. Arrête d'ouvrir cette fucking porte. Pourquoi c'est pas par là que je devais passer? Pourquoi j'ai été là? Oh, je commence à beaucoup trop stresser. Je crois que je vais m'arrêter là. Jamais venu ici. Je vais m'arrêter là. Je pense. Toilette des hommes, toilette des femmes.